Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a eu droit à un accueil très, très chaleureux cet après-midi à la Chambre des communes à Ottawa. D'ailleurs, ça tranchait avec l'accueil timide hier devant le Congrès à Washington. Et le président ukrainien l'a bien rendu en faisant une véritable déclaration d'amour à l'endroit du Canada. Écoutons un extrait. This Russian aggression must end with our victory. Justice is not an empty word for Canada. And you are always on the bright side of history. Et Olivier, je le disais d'emblée, on a assisté à une pluie d'éloges à l'endroit du gouvernement canadien. Oui, Julie, le président Zelensky qui a salué surtout le leadership du Canada pour son soutien, mais on parle entre autres des sanctions qui ont été infligées à la Russie, également aussi pour l'accueil de réfugiés ukrainiens qui ont dû fuir le pays. Le président Zelensky qui l'a mentionné et on l'a entendu, là, que ça prenait absolument une défaite de Moscou une bonne fois pour toutes pour en finir avec cette guerre-là. Tout ça au moment où, vous le savez, il y a un peu de division dans certains pays concernant l'aide qu'on doit continuer d'apporter à l'Ukraine ou non. C'était le cas aux États-Unis. Il y a d'autres pays aussi qui se posent la question. Ici au Canada, bon, on est à un peu moins de 9 milliards de dollars en soutien. C'est important, mais c'est tout de même modeste si on compare avec ce que les États-Unis, entre autres, ont fourni à l'Ukraine jusqu'ici. Mais Zelensky croit que le Canada doit jouer un rôle pour unifier les pays alliés et contrer une division qui, selon lui, est propulsée par la désinformation de la Russie. Ви ця зброя, яка спроможна об'єднувати суспільство. І так само, як ми сьогодні говорили з Джастіном про це, і я дуже хочу, щоб прем'єр-міністр нам в цьому допоміг. Я впевнений, що він це зможе, тому що у Канади є потужні стосунки з багатьма країнами світу. Ми не можемо допустити, щоб Росія розділила думки в світі. Olivier, le Canada, d'ailleurs, qui a annoncé une nouvelle aide à l'Ukraine. Voilà, une nouvelle aide donc, qui s'ajoute aux 500 millions qui avaient été annoncés plus tôt cette année. On parle maintenant de 650 millions de dollars en aide qui va être répartie sur 3 ans. Donc, on parle d'une aide quand même à long terme qui va viser, entre autres, à fabriquer et livrer des véhicules blindés ici au Canada, à London. Maintenant, la question a été posée à Justin Trudeau. Est-ce que les Canadiens veulent encore continuer de fournir, de financer cette défense-là ukrainienne alors qu'on a nos propres problèmes ici avec le coût de la vie? Alors, Justin Trudeau a dit que ce serait encore pire si Moscou devait gagner cette guerre. Nous allons continuer d'être innovateurs et présents dans notre défense de l'Ukraine, mais nous allons aussi être résolus que c'est dans l'intérêt économique étroit du Canada et même des Canadiens de continuer à être présents avec tout ce que ça prendra, pendant aussi longtemps que ça prendra, pour que la Russie ne soit pas victorieuse.